Bonjour à tous, je m'appelle Salomé Perli, je suis musicienne, autrice, compositrice, interprète, originaire du sud-ouest de la France et j'ai immigré au Québec, à Montréal, pour faire des études en composition et création sonore. Mon projet, c'est la sortie de mon premier EP de chansons à texte en français et en anglais qui aborde toute une panoplie de thématiques et d'émotions différentes. Ça va des récits de voyage aux prises de conscience sur l'être humain, sur notre ambivalence, sur l'acceptation de nos émotions. C'est ça, ces chansons sont très intimes, à la fois poétiques, politiques et empreintes d'une très grande dose de folie. Il se trouve que ce projet de chanson est passé au premier plan dans ma vie en ce moment parce que c'est ce qui fait le plus de sens pour moi. Transmettre des émotions positives, de la joie, de la poésie et beaucoup d'amour à travers ces chansons. Je pense que c'est un besoin de première nécessité et c'est ça que je vous propose de vous transmettre aujourd'hui. Alors concrètement, mon EP, ça va être 7 titres, mais il y aura un morceau mystère pour ceux qui commanderont l'album physique. Donc 8 chansons aux thématiques à la fois différentes, contrastées, mais très complémentaires. Et toutes ces thématiques vont être retranscrites dans un projet photographique. Donc je collabore avec une photographe québécoise pour ce projet, avec laquelle on essaie vraiment de retransmettre les thématiques des chansons en photo. Donc il y aura 4 tableaux, vous pourrez vous offrir en petit format ou en grand format sur du papier photo ou du papier fine art en fonction des paliers qu'on atteindra. Finalement, l'enregistrement commencera au mois de janvier. L'album sera livré entre le mois de mai et juin 2021. Mais pour vous faire patienter, vous aurez accès à un concert en avant-première au mois de décembre, en guise de cadeau de Noël et de remerciement pour tous mes contributeurs. Si je vous sollicite pour ce projet, c'est simplement parce qu'il ne peut pas exister sans vous. Moi, j'ai l'impression d'être un espèce de vecteur de mes inspirations et émotions à la musique qui se crée en suivant. Mais pour la partager, cette musique, pour partager tout le bonheur, la joie, l'amour qui découle des paroles, des chansons, j'ai besoin de vous. J'ai envie qu'on soit une communauté autour de ce projet et qu'on avance ensemble. C'est grâce à vous que ce projet pluridisciplinaire va devenir de plus en plus grand. Et je pense que c'est le début d'une très longue suite d'autres projets qu'on va faire ensemble. Alors si vous avez envie de participer à ce projet de l'amour, vous pouvez vous offrir des cadeaux en fait. C'est-à-dire que vous pouvez déjà vous offrir l'album en format physique avec la 8e chanson secrète. Mais vous pouvez aussi vous offrir les magnifiques tableaux photographiques qu'on est en train de faire avec Marie-Claude. Ça sera à la fois des petits ou des grands formats sur papier photo ou sur papier fine art en fonction des paliers qu'on aura atteints dans le crowdfunding. Mais vous pouvez aussi vous offrir une partition des morceaux de votre choix si jamais vous avez envie de rejouer cette musique chez vous. Il y a aussi la possibilité d'avoir des invitations backstage pour les journées d'enregistrement, que ce soit pour les moments où je serai toute seule au piano ou bien quand on sera avec toute la gang de musiciens, de saxophones, de quatuors à cordes. C'est un objectif d'un palier supérieur encore, d'arranger des morceaux pour une plus grande formation instrumentale. Puis finalement, pour ceux qui ont vraiment envie d'aller au bout de l'aventure, je vous propose de vous écrire une chanson. Ça me ferait vraiment plaisir de prendre un moment pour capter un peu l'essence de votre personne, puis écrire de la musique en fonction de ce que vous êtes. Pour clôturer
toutes ces belles paroles, j'ai envie de vous dire que ce que vous allez vous offrir, c'est pas juste un album, c'est un condensé d'art et de poésie qui va vraiment apporter beaucoup de légèreté, de beauté et d'amour à votre esprit. Je pense que c'est vraiment le moment de s'offrir ce genre d'émotion. Donc c'est ça, on se retrouve sur Ulule, mais aussi sur Facebook, Instagram et YouTube. Je vais être vraiment active sur ces réseaux-là. Je vais vous partager un maximum de contenu autour du processus de création de l'album. Et je veux vous intégrer à tout ça. Donc on se retrouve très vite. Merci pour votre soutien. Je suis distante.